Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les gerbilles. Et cette fois-ci on va parler de ceci. Pousse-toi. Voilà. Vous devez déjà connaître, je pense, vous avez déjà dû en voir sur internet. C'est des pots en bois flexibles en fait, vous voyez. Hop, vous pouvez le modeler à la forme que vous voulez. Alors du coup moi je le mets comme ça. Tout simplement, comme ça, ça leur fait un autre petit abri, en fait, un peu en forme de galerie, entre guillemets. Voilà, alors ça, je l'ai payé 1,99€, il me semble, sur Zoomalia. J'achète toujours tout sur Zoomalia. Et c'est la marque Zolia, il me semble. Et du coup, bah ça c'est franchement j'aime beaucoup parce que bah en fait depuis que je l'ai mis, ils font très souvent leur nid en dessous et c'est beaucoup plus naturel que la maison que je leur avais acheté. Et puis c'est sympa parce que vous pouvez le modeler un peu comme vous avez envie, hein. En plus 1,99€, franchement c'est pas cher du tout pour ce que c'est. En plus là ça fait un moment que je l'ai et il a l'air de bien tenir, vous voyez, ils l'ont pas trop rongé, peut-être à part sur les côtés un petit peu, mais sinon ça va. Et voilà, enfin ils font leur nid dedans, ils sont bien quoi. Je leur mets ici vu que j'ai déjà le grand abri là et que en fait bah là vu qu'il y a le bout du grand abri, je peux pas le mettre ici. Du coup je le mets là, comme ça fait une petite continuité quoi. Et voilà, franchement, vous voyez, il allait direct en dessous, il l'aime beaucoup, donc je suis très contente de mon achat. 1,99€, franchement, c'est cool si ils aiment bien. J'ai acheté le même pour Ninia, mais en plus grand, mais elle ne le calcule pas trop, elle y va que très rarement. Alors, il me semble que les dimensions, c'était 17 x 28, il me semble. Je vais vérifier et je vais vous mettre sur l'écran si c'est bien ça, mais il me semble que c'est ça. Donc ça fait, c'est assez grand, sans l'être trop, vous voyez là c'est pile poil par rapport à moi comment j'ai aménagé. Après si vous n'avez pas le grand truc là, vous pouvez prendre la taille au-dessus, qui ne tente rien à rien. Hein. Si vous préférez faire un grand abri, vous pouvez aussi. Mais moi je trouve que là ça suffit, moi pour l'installation que j'ai faite, je trouve que ça suffit. Voilà, c'est un petit truc sympa, pas cher, mais efficace. Voilà pour ce produit, alors on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo sur l'aménagement de la cage des gerbilles, partie 2, parce que je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus, et là vu que j'ai changé presque la totalité en fait de l'aménagement que j'ai fait, et bah du coup une nouvelle vidéo vous attendra samedi que j'ai déjà faite là en même temps que celle-ci, donc il y aura pas de retard cette fois-ci. Donc on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. Et dernière chose, je voulais savoir si ça vous intéressait que je fasse un jour de plus de vidéos. C'est-à-dire, au lieu de faire que le mercredi et le samedi, faire lundi, mercredi et samedi. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, on rajoutera un jour de plus dès la semaine prochaine. Du coup, n'hésitez pas à liker, commenter, partager si cette vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ainsi qu'au Instagram de la chaîne que je vais vous afficher quelque part sur l'écran. Salut !